Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Épisode 5, si je dis pas de bêtises, sur notre carrière au fil du temps. Samsung Farming Simulator 22. Dans le jeu, nous sommes le 7 novembre, dans la vraie vie. Nous sommes vraiment à la fin novembre, on va bientôt arriver en décembre. Je suis toujours dans les labours. Je vais essayer de faire un petit peu comme j'ai eu un petit peu dans les commentaires. Hein. Merci du soutien, merci de m'aider un petit peu dans cette série, puisque je connais pas tout, hein, j'ai pas la science infuse, et ça fait vraiment plaisir. Vous m'avez été nombreux à me conseiller de mettre du radis, donc merci à vous. Enfin, c'est ce qu'on va faire, on va mettre du radis un petit peu dans le champ, comme ça, au mois d'avril, quand on va devoir semer d'autres cultures. Eh bien, tout simplement, on aura des champs fertilisés à 100%. On fera aussi du lisier, du fumier et des trucs comme ça. Donc, on va éviter de mettre du radis un peu partout parce que sinon, on va être à 100% et on ne va pas pouvoir utiliser notre lisier et notre fumier à bon escient. Hein, parce que, bah, voilà, il va falloir, attaquer ça. Pour le moment, j'ai semé le champ 9 en blé, le champ 18, le champ 26, le champ 29 et puis le champ 42-41 en blé, voilà. Alors, pas d'orge, c'est vrai que je n'ai pas mis d'orge, je suis en train de penser à ça. Pas de semis d'orge, je n'ai pas mis d'orge. Écoutez, on fera de l'orge de printemps, hein. On fera de l'orge de printemps, on mettra. Je ne sais pas ce que ça va donner, le fait qu'on fasse ça. Bon, on n'a pas la saison active. Je sais pas, j'adore quand il fait ça. Quand il fait les finitions comme ça, j'adore. Là, il va lever, là, il va baisser. Donc, j'ai pas les saisons actives, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas assez de recul sur le jeu, hein, puisque le jeu vient de sortir. J'ai pas assez de recul pour savoir ce que ça va donner, mon histoire, là. Est-ce que ça va vraiment donner en juillet l'année prochaine, même si je continue à avancer le temps ou pas. Ce que je pourrais faire, c'est des captures d'écran comme ceci. Je ferai une capture d'écran et au pire, s'il y a le mode F11 qui sort, vous vous souvenez, où on peut planter des trucs et tout, je remettrai mes champs comme ils étaient. Hein. On sait jamais si le blé va trop vite ou si. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si vous m'avez compris, mais je sais pas du tout comment ça va se passer parce que voilà, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire les travaux comme l'agriculteur le fait aujourd'hui. Dans ma région, là, on est toujours au maïs grain, on est toujours au labour et on est toujours dans la semis. Bon, ma région, Trégor Gouello. On est toujours en train de faire ça. Bref, mes vaches portent plutôt bien. Si vous regardez bien, je vous avais expliqué, on était à 10%. Là, ils sont à 100% parce qu'on a avancé un petit peu le temps. Ils ont toujours à manger. Donc, la barre totale, hop, elle est à 58 000. Donc ici, vous avez la ration mélangée, ça donne 100% d'efficacité. Si je donne que du foin, ça donne 80% d'efficacité. Si je donne que de l'herbe, 40%. Bref, je suis à 100% puisque je suis sur des rations totales mélangées. Ok. J'ai 1000 litres de lisier et 822 litres de lait quand même au moment. Alors du coup, j'ai pas... J'ai pas les... Alors, c'est lisier et le fumier, c'est où, bro? Qui est où, c'est où? Mes moutons sont à 100% d'efficacité aussi, 133 litres de machin. Toujours pas de reproduction. Ils ont 8 mois, santé 100%. Je leur ai donné du foin. Foin de l'herbe, ça marche pareil. Et mes cochons, bien sûr, eux, bah, ils ont besoin un petit peu de paille et puis surtout, ils ont besoin d'aliments. Donc, j'ai pas de betteraves sucrières. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bah, bientôt, on va récolter les betteraves sucrières. Puisque dans les commentaires aussi, vous m'avez été nombreux à me dire, on peut y aller. Donc, le lisier, je suppose que c'est là. Quand ça sera plein ou quand ce sera à peu près plein, ce que je ferai, c'est que tout simplement, je mettrai dans ma réserve de lisier qui se trouve... Ah, vous avez vu, je traverse le toit. Qui se trouve là-bas. Et si vous regardez bien... J'ai bien le tas de silos, donc voilà, vous avez raison sur les lives. Donc mon tas de fumier a bien été échangé avec le tas de fumier extension. Bravo Farming. Chez Giant, ils se sont dit on échange les trucs. Voilà. Et ils ont échangé. Donc voilà, mon fumier spawn bien. Donc si vous avez des problèmes avec le fumier, les gars, tout simplement, bah ça vient de ça. Alors je sais pas si c'est par Wi-Fi. Est-ce que ça prend tout? Ou alors il faut que j'en rajoute un pour les cochons, genre? Parce que pour les cochons... Bah je sais pas. Est-ce que pour les cochons, ça ne dit pas? Ok, j'ai de la paille, blablabla, j'ai du lisier, mais ça me parle pas de... On me parle pas de fumier pour les cochons. Alors est-ce que je dois mettre une extension de silo aussi pour voir? Est-ce qu'on ferait le test ou pas? Ça, on verra ça en live au pire. Parce que moi, je pensais que ça allait spawn ici, là. Pour moi, ah oui, alors oui, d'accord, ok. Ouais, bah oui, j'ai ça. Ouais, vous inquiétez pas, c'est normal.
Tout va bien, tout marche bien la bête. Il est coincé ici, voilà. Alors il se coince ici, voilà. Ouais, je vais prendre une petite photo. Quand il se coince ici, vous avez couru tous les cochons! Et les cochons sortent et traversent, voilà. Et ils se coincent ici, le naf mèche a été mal fait. Ou je sais pas comment ils ont fait leur truc. Je sais pas si c'est un naf mèche, je vais pas démonter pour voir. Mais dès qu'ils se coincent ici ou un peu plus vers là, et ben du coup ça fout le bordel. Et vous allez voir qu'à un moment, ben, tous les cochons vont sortir et vont courir, hein, pour ceux qui ont regardé le live sur Twitch. Et puis ils courent au ralenti et tout. Mettez la musique d'alerte à Malibu et vous allez palmer là. Voilà. Bon, on va leur donner à manger. Alors moi, je leur donne de l'aliment que j'achète au magasin. Hein, vous avez compris, vu qu'on va durer sur une saison, tout de suite, j'ai pas ce qu'il faut, qui fait que je suis obligé de faire cette technique-là un petit peu. Voilà. Mais voilà, c'est la vie. Peut-être que ça durera plus longtemps, hein. Peut-être que je vais le faire une série sur les 2 ans, hein. Comme ça on vivra bah, une vraie saison et puis le reste une autre saison. Ouais, je trouve dommage qu'ils ont pas mis un truc. Est-ce qu'on pourrait pas bah, essayer de mettre une vis à grain, peut-être? Comment à la place? Je sais pas. Dites-moi. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis une remorque 32 000 litres pour 60 cochons. Et j'ai pas assez encore quoi. C'est un truc de fou les mecs. Par contre, il y a vraiment besoin de betteraves. Donc on va devoir attaquer assez vite les betteraves. Bah du coup, on va peut-être acheter. Hop là. Je vais aller emmener cette machine-là au magasin. Comme ça, j'aurais plus qu'à recharger des sacs. Est-ce qu'on va faire? On va peut-être acheter une machine à betteraves. Hein, pendant qu'on y est. Ouais, ça pourrait être pas mal d'acheter une machine à betteraves. Allez, let's go. On va faire ça. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de mods qui sont sortis, je voulais vous en parler aussi. Faites gaffe à ce que vous téléchargez parce que il y a des mods qui sont un peu des reconversions un peu à l'arrache. Il y a des mods qui sont chouettes, mais il y a des mods qui sont un petit peu des reconversions un petit peu à l'arrache. Et du coup ce serait con que vous perdiez vos parties sur ce genre de conneries. Alors je vous invite, vous allez dans Documents, My Game, votre sauvegarde, et vous la mettez sur votre bureau ou dans un autre disque dur. Et comme ça, elle est protégée. C'est ce que je fais avec la partie là, c'est en cas de. On sait jamais, hein, si la partie plante. Voilà. Le jeu déjà a quelques soucis. Alors des reconversions à l'arrache, bah là vous allez avoir encore plus de soucis, les gars. Donc franchement, faites gaffe. C'était mon petit message du jour. Et puis bah, regardez bien si vous avez téléchargé un mod sur le 19. Si c'est les mêmes crédits que sur le 19 aussi, parce qu'il y a des mecs, bah, ils ont compris en fait que la reconversion était très facile, parce que je connais un site qui a déjà 50 pages de mod. Ouais, je connais un site, ouais. Il n'est pas français ce site, mais 50 pages de mod. Et les mecs, bah, ils y vont à l'arrache. Alors, un petit mot aussi, elles arrivent, je vais les envoyer sur le modem. J'ai la traduction en allemand à faire. Please. Elles arrivent, donc du coup, elles sont nickel là. Il n'y a pas de problème de. Il n'y a aucun problème. Donc elles seront là. Hop, voilà. J'ai laissé 3 000 balles, les gars. Je ne sais pas si vous considérez ça trop cher ou pas. Toujours avec la possibilité des 4 couleurs. C'est les 4 couleurs qui sont disponibles sur le site officiel MX. Avec ces extensions. Je vous en reparle, hein. Je crois que j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais c'est quelque chose qui est assez important pour moi, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé assez dur. Et si vous faites attention, j'ai vraiment fait attention aux moindres petits détails. J'ai vraiment été chercher les autocollants partout, puisque c'est une masse qu'on a dans la vraie vie, nous, que j'avais dans la vraie vie quand j'étais dans le monde agricole encore. Et j'ai fait attention aux moindres petits détails. Donc voilà. Alors il me restait normalement quelque chose que j'aurais aimé remettre, que Cam et moi on avait travaillé sur le 17, que malheureusement ben, c'est un script en plus, et du coup j'ai pas osé le remettre. C'est la possibilité de changer l'écran, qui fait que quand vous l'attachez sur des bras de relevage et que ça touche votre bras de relevage, ça c'est pas en collision, de toute façon j'avais enlevé la collision, mais tu pouvais le régler. Et ce petit truc-là, on l'a pas rajouté. Mais voilà, si vraiment nous on voit que ça joue sur les détails, on lui fera une petite mise à jour au cas où, ok? Hein, c'est juste que voilà, vous voyez que tout a été repeaufiné, elle rend super bien, elle est encore plus jolie parce qu'elle a été retravaillée. Hein, on l'a pas juste reconvertie, on l'a retravaillée.
C'est pas des conneries. On l'a retravaillé pour qu'elle rende encore plus jolie pour vos photos. Voilà. Parce que vous avez été nombreux, mais alors vraiment très nombreux, à mettre des photos sur Facebook de ces masses-là sur le 19, malgré le peu de téléchargement qu'elle a reçu. Je vous jure, c'est vrai. Avec Cam, on a halluciné du nombre de photos qu'on a vues sur Facebook, Discord, Twitter, Instagram, machin, partout. Elles étaient partout et on vous remercie énormément. Par contre, elle n'a pas été téléchargée un milliard de fois. Hein. Non, mais ça, sans déconner, en 3 ans, elle a fait. Bon, elle a fait un bon chiffre, hein. Elle a fait, je vais pas vous mentir, c'est Cam qui me l'a annoncé parce que moi, c'est pas moi qui l'ai mis en DL, c'était Cam. Elle a fait 60 000 en 3 ans. Donc c'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme, 60 000 en 3 ans. Mais il y a des modes, genre en 4 mois, ils nous ont fait 60 000. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vu que c'est un petit gabarit, c'était passé sur Discord. Tu vois ce que je veux dire? C'était tiens, oh, celle-là, tiens. Tu vois, tiens, je ne l'ai pas sur le Discord. Parce que ça rentre sur Discord. Genre, il y a des modes, bah, ils pèsent trop lourd. Du coup, tu es obligé d'aller télécharger le lien, tu vois. Mais genre, quand c'est des petits modes comme ça, bon, tiens, vas-y, prends. Alors, n'hésitez pas, hein, quand ils vont sortir. Il y a les petites étoiles. Je vous explique un peu le principe. Je peux prendre 2 minutes pour vous expliquer le principe. On travaille en même temps. Je vais acheter la machine. En fait, plus vous mettez d'étoiles, plus la rémunération est augmentée. Oh, c'est pas de grand-chose, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Hein. On va devenir riche avec des modes. Mais c'est pour vous dire, en fait, tout simplement. Et puis surtout, ça remercie la personne qui l'a créé. Mais je voulais vous le dire. Du coup, on a le choix. Soit on en prend la Panthère 2. Voilà. Soit on prend la Grim, qui est très jolie aussi. Ou soit on prend la Ropa, la Tiger 6S. C'est tout ce qu'on a. Oh, voyons un peu la gueule de la machine. Ouais. C'est pas mal. Mais celle-là, c'est. C'est pas mal quand même. C'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Et je vous parle comme si on était en live, quoi. Mais c'est. Je deviens complètement ma boule, moi. Alors, il y a standard, mais jamais j'arrive. Alors, c'est qui. Mais pourquoi ils mettent standard alors? Ni. Alors, Michelin, qu'est-ce qui vous arrive aussi, là? Je comprends pas que. Que BKT vous a piqué la vedette là. Comment c'est possible? Hein, Michelin? Sinon, vous pourrez prendre une plus petite. Hein. Tasse. Bah, ils vous ont pas volé tout le temps la vedette. Hein. Je suis vraiment un gamin. Mais celle-là, tu vois, la barre de coupe reste dessus, quoi. Que celle-là, combinaison. Ah ouais, t'as un truc 4 mètres. Par contre, là, on n'a pas la. Bon, alors, petit. On n'a pas la taille de la machine, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 10 km heure. Blablabla, 40, 45 mètres cubes, 45 mètres cubes, ok, mais. La largeur du bébé, mon gars. Hein? La largeur du bébé, elle est où? Bah, écoutez, moi, je serais d'avis de prendre. Allez, on part chez Grimm. Voilà. On part chez Grimm, les copains. Et du coup, on a vu quelque chose qui était tip-top. C'est nouveau, ça, c'est chouette. Alors, du coup, ça. Ah non. Ça, c'est chouette aussi. Le problème que j'ai peur, c'est un peu grand quand même. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, c'est un peu grand pour ma surface de sol. Et là, mes chenilles, je vais acheter aussi. Ok. Par contre, si nous travaillons avec des chenilles, ça serait bien de travailler. Oh là là, par contre, je vois loin là. Ah, avec le petit 8RT. Par contre, il fait. Ils ont demandé combien de chevaux? Combien de chevaux tu m'as dit, toi? 400 chevaux. Est-ce que mon tracteur-là est capable d'attirer? Oui. J'abuse. J'abuse encore. Mais il abuse encore. Mais c'est pour histoire d'avoir tous mes petits John Deere.
Alors, je suppose que je vais arriver à mes fins. Oui, il arrive à ses fins. Ok, et on va lui mettre du poids à l'avant. Ok. Configuration des chenilles en 3 mètres, en standard, en 3 mètres. Ok. Et on va acheter aussi. On commence à avoir des belles machines. Ouais. Il nous restera encore quelques machines à acheter. Hein. Oh là 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 là. 1 million, c'est tout? Alors, montre-moi comment tu marches. Ah merde, lui aussi. Oh, décidément, il y a un mode qui est sorti là sur le mode hub. Je vais le prendre. Hein. Tu fais 6, 6, 12, 18, quoi, tu vois. Et après 23. Ouais, c'est un mode qui est sorti. Ça te permet. Parce que sinon, ça me fait cliquer moi comme un bourrin. Je pense que j'étais pas le seul à être dans la muse. Et que du coup. Oh là là, j'ai un nouveau tracteur, je suis plutôt content. Bon, ça reste un 8 hein, encore. On passera chez les 9 plus tard, hein, vous inquiétez pas. Alors, vous voyez le tableau là, qui est là, le tableau qui est en face de moi, l'ordinateur. Je vous en ferai peut-être une vidéo où je vais vous commencer à vous en parler. Il y a un gars qui a commencé à travailler sur un mode, c'est pour mettre sur tablette, les gars. Voilà, c'était sorti sur le 19. Et ça y est, il a commencé là, et on peut le mettre sur le 22. Donc, du coup, j'essaierai de vous en parler. C'est pas mal. Vous pouvez mettre ça sur votre téléphone aussi. Et ça permet en fait d'avoir cet ordinateur là, avec votre consommation et votre vitesse, machin, tac, sur un côté à côté de vous. Voilà. Hein, c'est sorti là. Alors, je sais pas, vu que j'ai pas testé, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à aller envoyer tout ça au champ. Et du coup, je voulais faire absolument le champ 11. Normalement, c'est prêt pour la récolte. Yes, retirer les fans. Ou sinon, j'en ai un plus près. Ah bah, je vais aller à celui-là plutôt. Je vais aller au 44. Alors, est-ce que j'ai assez de sous maintenant? Parce que je dépense beaucoup, moi. Oui. Ok, je vais aller à celui-là. Et celui-là peut-être, bah celui-là aura le droit à son labour d'hiver aussi, parce que il faudra tout simplement préparer les sols pour l'année prochaine. Hein, maintenant on peut dire l'année prochaine, hein, on arrive en décembre, on peut dire l'année prochaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se garer au bord ici pour le moment. Alors j'ai pas vu encore la gueule des betteraves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire X. Voilà. Ouais, c'est une jolie bécane. Hein. C'est une jolie, jolie bécane. Alors, ce que je trouve dommage, après, c'est qu'un point de vue personnel, c'est qu'ils auraient pu. Ils auraient pu mettre une grime. Voilà. Hein. Je sais pas si grime en font, mais ils auraient pu faire quelque chose. Oh, le bruit! Ça manque quand même les caméras là. C'est propre. Très très propre. Ouais, c'est très très propre. Ah, l'effet plastique et tout. Ouais, c'est. Ah, désolé, je regarde pas où je vais. Oh là là, oh là là, mais calme-toi, calme-toi, Francis! Ah, le matériel quand même, y a rien à redire. Hein. Alors, si vous permettez, le temps que ça se déplie, j'aimerais voir un petit peu comment sont faits les betteraves. Ça va. Je changerais juste de couleur à ça là. On ferait des betteraves fourragères là. Allez, on va se mettre dans le sens de la marche. Alors, l'inverseur, s'il te plaît, respecte-moi. Moi, je pourrais te respecter.
Alors, petite vue intérieure. Alors, j'ai peur que mes roues soient larges et écrasent. Hein, ça passe vraiment. Hein. C'est vraiment du juste juste. Hein. Magnifique. Alors, où vont les fans là? Ah. Ok. Ouais, c'est propre. On va mettre l'ouvrier. Lui, il est parti, 10 km/h. Le champ est fertilisé à 100%, il n'y a pas de mauvaises herbes. Alors là, ça va y aller. Hein. Ça va y aller. Hein. Nickel. Est-ce que je... Ah non, il y a des endroits où c'est 45%. Pourquoi? Ah non, c'est moi, ça va aller là. Et on va faire un tas au bout du champ, je pense. Oui, je pense qu'on va faire ça. On va aller voir nos amis ici. Ah, très bien. Alors lui, il a fini, c'est propre, tout est carré. Il va venir avec. Oui, je sais. T'excites pas. Oui, je sais. T'excites pas non plus. Je fais faire ça blin. On va faire ça biais. Voilà. Moi, j'ai fait ça bien. Et on va rentrer avec celui-là. On va le ramener à la maison. Puisqu'il ira dans le labour des betteraves. Voilà. Je me tâte aussi parce qu'il me reste un champ de maïs encore. J'ai vu sur la map, il y avait encore un champ de maïs. Je serai chaud pour le récolter. Mais je pense qu'on fera ça en live. Voilà. Je ferai ça en live avec... je ferai ça en live. Et du coup si mais ça on pourra en reparler. Je serais chaud de faire un live, voire deux lives sur YouTube par semaine. Parce que j'ai des problèmes avec à cause de Twitch. Mes rediffs Twitch, j'ai pas mal de problèmes parce que malgré moi je suis affilié à Twitch. Quand t'es affilié à Twitch, pour mettre sur YouTube, c'est tout un bordel. Et vice versa. Donc du coup, il m'emmerde. Donc moi, je serais d'avis de faire un ou deux lives par semaine sur YouTube. Qui ferait que déjà, on se verrait plus souvent, puisque il y en a qui veulent pas venir sur Twitch, que je peux comprendre. Mais je veux garder la plateforme Twitch aussi, parce que il n'y a pas que farming dans la vie. Et j'aime bien jouer à d'autres jeux, et les gens qui me suivent sur Twitch, eux, ils s'en foutent de ce que je joue. Et ça, c'est plutôt cool. Que tu vois, YouTube est moins conciliant avec ça. Genre, les gens, vous sur YouTube, vous êtes plus à me dire, mec, toi, tu fais du farming depuis 2013, tu fais du farming, tu vois. Que eux, ils s'en foutent, en fait. Demain, on peut jouer à Scrap Mécanique, comme on peut jouer à Raf, comme on peut jouer à n'importe quoi. Et ils sont contents, en fait, tu vois. Ils sont là, ils viennent juste pour papoter. Des fois, ils papotent même pas. Je peux rester des fois 45 minutes sans que personne papote, mais il y a du monde, tu vois ce que je veux dire? Et ils sont là, ils sont en train de jouer dans leur coin. Et dès qu'il y a un moment de relâchement, on va dire, un truc débile qui nous arrive, ils sont taquets, tu vois. Et c'est ça qui me plaît en fait sur Twitch. Voilà. Et du coup, bah, cette plateforme-là, je vais absolument la garder. Voilà. Je vais absolument la garder parce que bah, j'ai mes petits habitués là-bas. Je les connais par cœur. Je veux même vous dire quelque chose. Et, tant pis pour si je spoil un truc et machin et tout. En fait, on a une. Les modérateurs, ils ont une page. On a un Google Doc. Et il y a des personnes en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, il y a des personnes qui vont être récompensées parce qu'ils sont là. Et ils sont là depuis le début avec moi sur. Ils sont avec moi depuis le début sur Twitch et du coup j'ai envie de partager un truc avec eux et du coup voilà. Donc on a un Google Doc et en fait il y a leur nom dessus, des personnes qui sont là depuis un bail et qui rigolent avec nous sur Twitch et qui m'ont suivi dans toutes ces aventures et ces mésaventures. Parce que faut savoir que y en a qui ont compris mais j'ai pas eu que des bons moments dans la... J'ai pas eu que des bons moments voilà, en 8 ans. Hein. Faut comprendre qu'en 8 ans, il se passe des choses. Hein. Et puis même pour vous, hein, il s'est passé des choses en 8 ans. Hein. Voilà. Et donc, du coup, ben, ces gens-là, ben, ils ont toujours été là, même quand... Hop là. Même quand j'étais pas en forme.
ou même quand j'étais enfant. Et ça c'est vraiment un truc incroyable. Les autres, c'est pas que je vous en veux ou quoi que ce soit. Hein. C'est bien au contraire. Hein. Chacun est libre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien contre ça. C'est juste que ces gens-là, ils méritent quelque chose quand même, parce que mine de rien, bah voilà quoi, ils m'ont soutenu. Voilà, c'est juste un. Vous inquiétez pas, ce sera. C'est rien de spécial. Vous inquiétez pas, c'est rien de spécial. Mais c'est juste qu'ils ont. Ils vont avoir un truc 15 jours en avance et ça va être chouette. Un moment, un truc qu'on va pouvoir partager ensemble. Le mode inspecteur, ce serait bien. Parce que. Attendez. Ok. Je vais aller dans le champ, comme ça on va tester ça un petit peu. Voilà, j'ai encore pas mal de brouillage à tout à faire, hein. Mes tracteurs, en mine de rien, ils voient des choses. Hein. Je suis plutôt content, hein. J'adore cette série. Hein. Franchement, c'est l'une de mes meilleures séries, je pense. Bah, pour moi, après, vous, ça sera toujours la haie des moutons, je sais. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures. Alors, je suis solo, c'est vrai. Mais le multi, les gars, excusez-moi, mais le multi, on n'y arrive pas. Hein. On a fait deux épisodes. C'est impossible de se connecter. On n'en veut pas. On n'en veut pas à Giant. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ça me saoule un petit peu. De toute façon, dès que je commande sur leur Discord, on me supprime. Donc, du coup, je dis plus rien. Et donc, comment je vais faire ça, moi? Mais c'est mal foutu. Mais c'est mal glandé. Mais comment ils ont. Mais comment ils ont vu ça? Mais il est dans l'autre sens! Hey, s'il déplie dans ce sens-là, moi je fais comment? Oh les bebeux! Oh, qu'est-ce que tu fais toi? À l'aide! Je fais des marches arrière pour que tu me remplis! Bon, si tu veux. Hein. Bon, bah, montrons notre talent. Ah, bah, ah là, il y a eu un mec qui était futé. Il y a eu un mec qui était futé. Hein. Non, mais me dis pas que l'autre est dans le même sens. Non, quand même, soyez pas. Soyez, vous n'avez pas été bête à ce point-là, quand même. Alors, attendez, que je check. Ce côté-là vide du même côté. Tous les trois vident du même côté. On est d'accord? C'est les mêmes machines, ils vident du même côté. Ok. Et les bœufs. Ah, celui-là est bon. Ah, celui-là est bon, mais celui-là est pas bon. Celui-là est de ce sens-là. Et celui-là est de ce sens-là. Ouais, c'est ça. Celui-là aurait été bien. Merde! Attends, mets pas tes betteraves là-dedans. Les gars, petit problème. Ce qu'on va faire. Tant pis. Ce qu'on va faire, c'est que. Pas choix, je vends. Sélectionner. Vendre. Oui. Ok. Et on va racheter un autre. Tant pis, on va acheter l'autre, hein, trois essieux. Finalement. On va prendre celui-là. Acheter. Oui. Oui. Oh là là. Tant pis, on va rouler un peu sur la culture, ça va l'abîmer, les gars. Voilà. Franchement. Un petit peu déçu là-dessus parce que. Un mec qui s'est dit, on va tester. Encore, on peut décharger à l'arrêt, mais le but des transbordeurs, c'est de ne pas s'arrêter. C'est fou. Ou dites-moi si j'ai mal compris un truc là. Normalement, celui-là, vous allez voir, il va être dans le bon sens. Dans le bon sens. Ah, sinon, je suis obligé de le faire en marche arrière, mais c'est compliqué. Bon, bah, la roue, je crois pas utiliser beaucoup. Alors, fais voir. Ouais, c'est ça. Toi, t'es dans le bon sens. Oh là là. Oh, comment ça braque ça? Incroyable. Il clique, il clique, il clique. Ah, ces petits gyros là, moi j'ai du mal avec ça. Hein. J'aurais dû faire le détourage du champ avant de dire à un ouvrier de venir. J'ai pas été très malin sur le coup là. Là normalement si je me mets à l'autre bout et que lui il remonte, là on est. C'est la perfection. Alors. Oh, pardon, pardon. Excusez-moi, j'étais en train de regarder un truc.
Je vais commencer à rentrer dans le champ. Tranquillement. Ouais, bah presque pleine, mais excuse-moi, hein. Je pensais pas que... Oh putain, je pensais pas que ça allait être comme ça non plus. On va ralentir. Combien c'est 10? 10 km/h, c'est 11e. Ok. Il y a un mode aussi qui est sorti pour la consommation réelle. Faudrait le tester celui-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais être obligé d'écraser un peu de betterave avant le bout. Dans la vraie vie, ça arrive parfois. Et voilà, si je vais dans le sens là, je suis parfait. Alors c'est X. Voilà. Oh. Et on est encore plus parfait. Alors est-ce que on a toujours cette possibilité de lever? Ouais. Ok. Ouais, voilà, il va revenir dans l'autre sens, je suis de mon côté. Oh là 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 là. Vous avez compris au moins, hein? J'étais vite dans ma réflexion là, et après je me suis dit, mais attends, ils ont peut-être pas compris que ça là, le tapis était dans l'autre sens, de l'autre côté, donc, et en plein milieu, donc du coup c'est impossible de vider. À part si t'as l'arrêt. Voilà. Bon, bah c'est cool. C'est beau. On vient de faire une belle photo là. Attendez qu'on va vider plutôt. Allez mon gars. Je vais prendre le truc après moi parce que le jeu est magnifique. Hein. Le jeu est magnifique. J'ai vu qu'il y avait des shaders qui étaient sortis et tout. Mais... Berk. Ça m'intéresse pas. Non, je joue comme ça. Bon après les arbres, moi je les déteste, mais allez, allez, mise à jour là, ils vont les changer. Allez, allez. Allez, 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 ils vont changer ces arbres là. Ils vont changer ces arbres. Dis-toi qu'ils vont changer ces arbres. Ça colle même pas avec le véhicule quoi. Ils vont changer les arbres. Sponsorisé by John Deere. Ah, il est plein? Fous ma gueule. Tu vas pas me faire rouler sur la culture? Mais si, bien sûr que si. Bah la photo va pas être intéressante, hein, mon lapin. Bravo. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. J'ai une machine de 15 tonnes qui glisse. Oh mon dieu. Avec un tramoisin. Pas joli contre joint là. Je suis plein. Ah non, même pas. Allez, on va mettre ça où? Sur le bord de route là. Il aurait fallu faire bon, j'aurais pu mettre ça là parce que c'est moi qui va prendre le relais après. Hop là.
J'ai vraiment un problème avec ma souris, moi. Flanche. Qu'est-ce que c'est donc ça? Oh bordel. Parfait. J'ai le temps parce que le temps qu'ils se remplissent. Bon bah c'est cool ça déjà. Bon bah premier petit tas de betteraves sucrières. Je changerai dans l'ébène après. Et puis je vais préparer. Attendez. Ce que je vais faire. C'est pas toi. T'es où toi? Il est où lui? Non pas toi. Ouais toi. Je prends deux ou trois bennes pour la ferme. Je sais pas si on peut donner des betteraves coupées. C'est la question. Si on peut faire des betteraves coupées. Bah écoutez, on peut tester ça aussi. On verra pas tout à la livraison, Pierre. Je vais prendre une remorque et je ferai quelques voyages quand même. De toute façon, on va faire pas mal de betteraves. De toute façon, j'avancerai tout ça en live. Il y a encore les vidéos. Hein. Je vais essayer de tenir le fil du temps. Je vais essayer de continuer. Pendant qu'on a du boulot, il vaut mieux continuer à faire des vidéos. Parce qu'après, malheureusement, on va passer à une période un peu creuse. Donc, autant que je profite de faire quelques trucs. Même si je déborde décembre un peu à faire des betteraves, je pense que c'est. Vous n'allez pas m'en vouloir. Par contre. Que je peux faire c'est sélectionner, non c'est donc garage, donc ce que je peux faire c'est que les masses là j'en ai une vendre, oui ok, et je vais les acheter en jeune dire sélectionner acheter, oui ok, une masse pour faire de la remorque pour la meilleure, c'est pas l'idée du siècle là, mais je l'aurai au moins, c'est juste pour ça. D'accord, ok, prends un jouet, JD. On est parti. Tout est propre à part le tracteur. Un peu con ça. Merde, je suis en train de cliquer alors qu'il n'y a pas besoin de cliquer. Putain, la main, c'est plus poil au milieu. C'est beau, c'est beau. Voilà, je vais mettre ça là. Et comme ça, quand je suis chaud, je mets dans une remorque. Ouais, attends, je vais la reculer plutôt là. Voilà, je fais une remorque de temps en temps. Oh, les freins. Pish, pish. Ouais, bah c'est pas le tout de faire pish, pish, hein. Faut savoir freiner aussi. Ouais, le vite fait là. Et on va s'arrêter là. Normalement, lui, il est capable de tourner sur place, ce tracteur-là. Je vais lui mettre un déchaumant au cul après, tu vois. Je suppose que c'est à labourer façon, après betterave.
Moi j'ai compris l'utilité du truc, hein, parce que les transbordeurs c'est censé être fait pour éviter le tassement de terrain aussi, tu vois, pour éviter d'avoir plein de remorques à trimballer sur le champ. Moi je fais des demi-tours avec des chenilles à l'arrache. Je dis pas la saignée que j'ai dû faire en virage, hein, dans la vraie vie. Un terrain à la Cattle là, c'est foutu. D'ailleurs, il faudra qu'on aille vérifier Cattle. J'ai entendu dire que la communauté s'était mise à bouger un petit peu le jeu. Donc on ira voir ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté des animaux. Ils ont fait pas mal de trucs, il paraît. Tu peux pailler, tu peux leur donner à manger et tout. La communauté a travaillé sur le jeu. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Dommage que le tracteur est sale et que tout la Roland et les MX sont... C'est beau. C'est bien. C'est joli. Tu vois, et il n'y a pas de retouches là. Les photos sont naturelles là. C'est pas, y a pas de retouches. Hein. Vous êtes bien en jeu, mesdames et messieurs. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, on va l'attendre et puis on va s'arrêter là. 41 minutes. Ah ouais, quand même, il était temps que t'arrêtes. Putain, je raconte ma live à chaque vidéo, c'est fou. Ouais. Les gens, on se laisse là-dessus. Je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.